Je sais pas si c'est déjà arrivé de faire des beignets avec. Mais souvent quand je le bouffe, il se fait des trucs. Ensuite, j'ai pas le temps de le lancer. J'ai besoin de la combo en fait. Ouais, mais faut... le but c'est de le voir en combo. Je gagne plus avec le meilleur acteur car les pas trop. C'est pas mal, mais ça dépend des decks. C'est plus fort contre un agro que contre un contrôle. Ouais, parce que les agros, c'est des petites cartes. Donc, tu peux t'en servir sur ton combo. Genre un endlock, tu vas jamais combo. Sur un crack, à la limite, sur le petit truc. Là, tu me dirais de faire des coups. Moi je pense, tu vois, je garde. Limite, en fait, je renvoie que la main. Non. Et peut-être la race. Là, il faut garder que la race et la bolide. Tu vas dire, je garde que la pioche en fait. Ouais. Le but, c'est de piocher en fait. C'est bon, après, je peux écouter. Ça va être un peu long. Avec la pioche, sinon, on va comme ça. Ah, ouais, c'est bon, j'avoue que j'ai la pioche. Mais après, ça dépend vraiment le deck. Là, si c'est un gros, tu vas prendre pièce, acte de guerre. L'acte de guerre, il te la prend, mais il garde, c'est obligé. Ouais, peut-être la maximum. Si t'as une arme, je te dirais un garde le pirate, au moins tu peux la poser une fois par l'air, si tu peux venir se provoquer. Je m'en servais pour que le béton se frappe. Là, c'est pas fait comme les gars, tu vas le débloquer. Voilà, je pop l'arme avec sa pièce et je te dis à sa arme, au moins droit du monde. Mais tu sais qu'avec le pion, tu mets un peu plus. Non, mais tu ne peux plus passer les trucs là. Moi, la première fois que je jouais, le mec il met 3 balles, 3 balles. Ça me fait chaud, j'ai jamais battu depuis que je jouais ici. Mais la dernière heure, putain, j'ai tellement. Je récupère ma cape, je l'avais mis là-bas. Alors, ouais, c'est pas grave. De toute façon, j'ai plus d'armes. Ouais. Le but contre Mage Mecha, ça va être un peu plus facile de faire partager. Ouais, de toute façon, il n'aura pas beaucoup. Alors, la colite là. Tu mets la colite de la douleur. Sur moi, le buter d'un coup. Généralement, il va avoir une freeze exprès. Bon, pas sûr qu'il refreeze. À part le frostbolt. Ouais. Le mieux, c'est que pour lui, c'est qu'il utilise le frostbolt sur la voie de l'autre. Autrement, il va devoir trade. Ça va faire cocher une carte bleue. Mmh. Pour voir cette partie. Bon, ça va. Une inventaire. Ok. Oh, ça va, un game patron. Le game patron, c'est le seul truc que t'es pas obligé d'avoir la combo pour utiliser si tu veux. Ouais. Parce que du moment où t'as deux game patron sur la board, ça va commencer à être problématique. Alors, avoir le tour 7 pour. Ça n'est pas les classes après. Pour le Warlock, le mieux vaut avoir la combo si tu veux jouer. Le Warlock, je pense que c'est les berserkers qui vont gagner. Ok. Parce qu'il y a le tour 1 de petit peu sur la combo. Ça, je trade la 3-2. Ah, mais non, je peux pas, je suis con. Ouais. Alors. Là, tu vois, je te dis, t'as trop de. Un truc pour piocher. Donc, ça. Non. Ah non, la inventrice. Hein. Et là, tu peux faire une execute sur la table 3. Ah ouais, j'avais pas vu qu'elle avait perdu la vie. Il vu qu'il avait trade après. Ah, et même, attends. Tu fais. On la rage intérieure sur la 2-1. Ouais, il est obligé d'ici là. Normalement, il a le nom de mecha, mais bon. Bah, au moins, ça perd. Il perd son attaque. Non, il va le regagner s'il a le mecha, mais bon. Oui, s'il a le mecha, mais bon. Il va être obligé de jouer. Vous avez pas les mechas qu'il a à même. Ouais. Tu peux lui éviter de faire un ping. En plus, t'as eu le camouflage. Ouais. C'est vrai que le camouflage est intéressant avec l'autre. Il y a le camouflage sur le berserker, c'est bien. Parce que normalement, c'est une carte qui se fait trade, là t'auras le temps de la jouer. Faut l'utiliser d'un coup le berserker. Non, attends, non, pas ton arme. Tu poses le clip patron. Et tu le camoufles. Il va te
chance, tu vas pouvoir prendre deck genre tant mieux. Parce que là, tu vas te faire frost dans tous les cas, donc là, on... Bah déjà, si je mets ça, je peux faire pop un grim. Ouais, ce serait pas rentable. Ouais. Je vais juste mettre un peu de plus. Garde un officier à la limite pour un patron, mais après l'autre officier, j'aime bien la garder pour. Si j'ai la combo en main, j'aime bien la garder pour claquer les berserker. Le berserker, même si t'as 5 HP et que l'autre est en 30, tu peux le TK. Ouais. Quand il arrive à poser du board et que t'as un officier à la nappe, c'est pas mal. Mais ça, les tourbillons là. Quand ça booste le berserker maintenant. Ouais, le tourbillon, c'est cool. En général, je pose Tori Sand, j'essaie de garder un peu toute la combo. Il a vu que je suis pas. Quand vous faites, je pas des gueules. Fais un tourbillon. Non, attends, pose ta de demande à la masseur de lutin. Ça fait que tu vas piquer une carte de plus. Quand tu fais le tourbillon. Parce que j'aurais pu le charge, non? Et le mettre comme ça, je tapais. Ben non, tu peux pas, il est camouflé, tu peux pas taper. Ouais, j'aurais pas pu taper. Tu pas un charge là, tu vois, parce que ça, tu vas pas avoir un patron de plus, tu vas juste attaquer directement. Tu vas perdre ta charge, tu vas tout perdre. Ok, donc là, tourbillon. Ouais, tourbillon. Moi, tu vas piocher une carte de plus. Le but, c'est vraiment de toucher comme une forme. Donc là, ça se. Une exécute, c'est intéressant. Donc. D'abord, fais Battle Rage, tu combats en bas à gauche. Là. Ouais. Là, tu joues deux cartes de plus. Un berserker. Là, tu peux faire l'exécute sur le 3-5. Et avec le 3-2, tu tues l'autre 3-2. Ok. T'évites de laisser à midi des trucs capables de tuer tes patrons. Parce qu'après, un patron qui a un HP, il est useless. Et à 2 HP, il est beaucoup de trucs qui font 2 points de dégâts facilement. Ouais. Et, là, le... Ah merde. Ça, le force, oh, c'est pas... Ouais, c'est pas gênant. De toute façon, ça me permet de save les Gorobashi, les Gorobashi, mais les berserkers récurrents. Oh là, putain! Il faut attendre un peu. Alors là, tu buffes ton armure, tu prends l'arme et tu fais l'arme. Après, il faut que t'espères qu'il y ait si... Putain, j'avoue quand même que là, j'ai une pioche dégueulasse. Non, les doubles armes, les doubles officiers, plus les deux berserkers. Donc je ne le détruis pas, lui? Tu vas le détruire en mettant le tourbillon. Ah oui, c'est vrai. Mais à un moment, il y a une dans le, la dernière partie qu'on a fait tous les deux. T'avais mis Oreb. Il avait 5 HP et je me suis dit, je vais le taper. Et après, je vais le détruire avec un truc. C'est qu'en fait, c'est le tourbillon qui l'a tué. Ouais, je l'avais pas calculé ça, moi. Ah, tu avais pas. Tu avais j'ai pas fait exprès. Je crois que tu avais fait exprès. Même pas du tout. Le, c'est le truc, peut-être qu'il a fait la diff aussi, peut-être, je pense. Parce que le tourbillon, tu aurais pu l'utiliser pour les 4 points de dégâts. Il te l'est manqué pour finir. Après, si t'aurais laissé au rêve, t'aurais peut-être pu jouer aussi. Ouais, c'est, j'avais pensé à la base, en fait, je pensais te face complètement. Même si, bah, si je laisse trop son bord, c'est mort. Ah, tiens, Torissan d'abord. D'abord, face. Tu tapes face. Ouais, mais j'aurais pu l'utiliser pour. Ouais, non, j'ai mal calculé. Ouais, pose Torissan et buff ton armure. Ils ont Xerath support. C'est Xerath support, l'ami. C'est Xerath support. Non. Ouais, c'est moyen quoi. C'est pas. Bah lui il est une ranked. Oh lol. C'est rentable ça. Ouais. Putain en fait je peux cramer. Putain là je peux mettre bien. Je peux appeler deux berserk avec ça. Attends. Ouais mais c'est pas rentable, je parle trop bien alors que je peux le mettre sur ça. Tu vois, j'aurais. Mais je peux quand même mettre ça ouais, aussi. Mets-le après plutôt. Après ouais, donc là, je face. Là, tu face, tu prends ton arme et tu vas faire ta marque. Après, par exemple. Pourquoi tu veux tempo quand on peut faire un combo? Bah, tu peux pas finir. Donc, tu vas perdre ta combo et s'il a. Tu sais jamais ce qu'il peut avoir après. Si tu as un portail stable, il peut récupérer un truc qui peut sauver. Ouais. Genre un île ou un malganisme. S'il récupère un truc dégueulasse, tu vas le faire. Alors que là, par exemple, tu risques pas grand chose. T'es à 22 HP, il fait 26 TP à l'arme. Il n'a pas de TK. Là, tu laisses les mobs. C'est lesquels qui vont. Ok. Alors attends, c'est pas ça fait 2 x 3, 6, 6 et 2, 8 et
poste, t'es un officier Chantogar. Non. Ah. Tu tapes un coup à la face avec ton arme. À la face. Tu utilises le tourbillon et tu face avec les deux berserkers à ta étape. Tu penses, t'es sûr? Ah ouais, j'avoue, les deux plus le stack. Là, tu fais face, oui, pas taille. Au moins, tu veux la tête de mort, voilà. Là, il y a une tête de mort sur ta tête, c'est bon. Ah, je peux même pas taper. Non, mais elle est morte. Ah ouais. En fait, essaye, regarde s'il y a une tête de mort quand tu fais ce combo sur la tête de mort, tu peux pas indiquer les combos. Ok. C'est un plus pile le. En gros, les berserkers, si tu les regardais comme ça, c'est ça qui me faisait le plus peur, tu les regardais comme ça, ça aurait pu faire la dame de front. Ouais, oui, parce qu'en plus, j'aurais pas pu stack beaucoup de dégâts sur tout le board. Ouais, voilà. Parce qu'au début, le PV 3-4, le sustain 3-4, ça, c'est pas gênant, tu vois. Chez les polaires, j'ai plein de trucs pour les grands, c'est pour ça que tu vas arrêter. Ouais. Mais, au contraire, en fait, au lieu de mettre la pression, le mec il est plus rassuré parce que tu perds une partie du combo. Le Grim Patron, là, je vais dire, s'il faut voir, genre, en partie du combo, genre, je commence à faire un truc, c'est le combo. Ok. Moi, je regarderai que le corsaire. Que le corsaire ouais. Moi, tu vois, j'aurais. Parce que moi, tu vois, j'aurais limite viré. Non, le corsaire, on garde juste contre les paladins. Et les interfaces. Ok, en fait, ce que je peux clean directement au début, quoi, s'il spam beaucoup. Et contre. T'as peu d'intérêt contre ça. Mmh. Ouais. Faut espérer avoir là. Mais tu sais pourquoi des fois il y en a genre. Moi il m'arrive de lancer une game et le mec il conseille direct. T'as l'impression qu'il y en a qui hack le jeu, tu sais. Que quand il concède, une fois je crois il disait l'adversaire avait concède et il disait que je pouvais pas perdre d'étoile à ce niveau. Oui, alors, comme si j'avais perdu en fait. Oui mais sauf que c'était l'adversaire qui avait concède. Genre je venais de lancer la partie et ça me disait ça à moi. Comme si c'était moi qui avais perdu alors que c'est le mec qui avait concède. C'est pour ça que je pense à des hacks des fois. Il est FK. Non mais là il a pas fini son build quand il a été obligé par le temps. Ah. Je vais te monter. Je vais monter. Ok. Putain. Tu lis va putain de bonheur. T'as pas honte de la honte. Je te mets là. Que la peste soit dans votre maison. Alors, mais après j'ai pas de T2. Et après j'ai pas de tour 2 après celui-là. Parce que le pouvoir héroïque c'est comme un tour. C'est le même choix. Ouais. Ça dépend lesquels, mais bon. En général, c'est un bon tour. Le ping, c'est pas ouf. Le ping non plus, c'était un prêtre. Si t'as 30 HP, c'est pas ouf. Le bon buff d'armure, tu augmentes un peu ta survie, quoi. Surtout contre un zoo. Et là, tu veux gagner un point d'armure en plus parce qu'il va soit il trade et il perd 3 points de dégâts. En gros, les zoos. T'essayes de te mettre à une situation un peu plus agressive que lui. Au moins en fait il va devoir gérer entre soit contrôle soit train. Mais s'il contrôle il perd des dégâts et s'il train ben, il perd la game peut-être. Donc okay. Il faut essayer de faire des situations un peu délicates. Ouais. Mais ça c'est un peu une bonne même. Jouer avec eux. Venez il a pas train. Tu vas mourir un peu, je tape. Mais là, c'est une ranken. Là. Torissan essaye de le garder dans ton mulligan. De quoi? Torissan essaye de le garder dans le mulligan à chaque fois. De garder light, quoi. Dans la main.
dans la main. Ok. Ah oui, quand je le chope, je le garde dans la main. Ok. C'est super important en fait. Ok. T'essayes de toucher au maximum. Oui, parce que des fois, il m'arrive de le balancer pour tenir, pour avoir des trucs un peu plus early, sauf que après, il me le manque et ça change la gameplay. Ouais, oui, je comprends. Des fois, ça peut nickel. Ouais. Bon, ben là, j'ai plus qu'à le trade. Avec, je mets un acolyte. Un acolyte de la souffrance. T'as des combos avec les armures aussi. Donc tu fais un patron, tu fais le tourbillon, tu montes ta main d'armure. Ah oui, j'ai déjà vu ça le faire. Déjà. J'aime beaucoup sur les contre-effects surtout parce que ça décourage vite de gagner même PV. Bah, il y en a un, il avait fait une full combo, genre il avait un berserker, il avait l'armure. Hein. Il y a la fabricante d'armure. Et après, il avait un ou deux patrons. Plus aussi l'officier de Chanteguer. Ce qui fait qu'il a fait une combo, il a fait pop tous les patrons. Il a récupéré plein d'armure tout en buffant le berserker et c'était free win. C'est des fois. Alors. Ouais, ce que je pensais faire. Et là, je peux jouer ça normalement. Ouais. Je sais pas si je le. Déjà, traîne le 3/4 parce que s'il a mal gagné, ça change tout. Ok. Tu poses ta tonte. Ah. Et tu gagnes une carte en plus à ta balle de carte. Ok. C'est bien parce qu'en plus ça me permet avec les patrons, mieux après. S'il reste. Ouais, c'est quoi déjà? Alors c'est intéressant puisque comme ça la pop. Il perd pas ses deux cartes comme ça. Ouais, il perd pas ses deux cartes. Ça, ouais, ça fait une indirecte après. C'est toi qui, s'il invoque parce qu'il a un choix. Alors. Et tape les joueurs qui sont pour taper. Tape le 4-3. Au moins avec le prochain tourbillon, ça va être pas. Ok. Donc là. Oh! Tu poses le patron. Le patron. Et tu fais le 5-4. Là du coup, il peut trahir les demi, pardon. Voilà, je peux faire. Après, t'as ton là c'est pas le bon moment parce que tu commences à être en HP. Ouais, j'avoue. J'ai trop deck de Trump, et lui il est mieux que toi. Ok. Un deck de Trump, il est mieux. Il est un peu moins cher. Il est moins cher. Il marche beaucoup mieux contre les agros parce que tu gagnes un arbre. C'est ça, je veux que c'est une arbre. Ok. Bon, par contre, c'est de la grosse pioche. Je sais pas si tu verras, mais tu vas piocher quand même. Ok. Là il est dans un dilemme un peu quand même. Ah quoi que non. Là il a quoi, il a 4 points de dégâts. Là ça dépend. Ouais là c'est pas le moment de donner. Même si le coup de compter le mini. 3 et 3, 6. 3 et 3, 6, si c'est le 8 et 2, 10. Si j'ai 3 points de dégâts, tu meurs. Ouais, ça m'étonnerait que les aient après. Essaye, pose ton Rissan. Si ça marche, tu gagnes. Si ça marche pas, tu perds. En tous les cas, même avec l'armure, tu perds s'il a ce coup. S'il a power for winning. Arrête tout, tu joues à ce tour. Oui, là, ouais. Si ce tour passe, t'as gagné. Bon, bah, ouais. Le board qu'il a, il tiendra pas. Même avec un seul. Là, je pense que s'il avait un truc, tu vois, il le rejouer de suite. Sûr, des fois, il y en a, ils sont contents de top deck. C'est bon, quoi. Ouais, mais dis-toi. Content de top deck, du coup, tu es content. Généralement, quand je suis content de top deck, je fais bien jouer 20 fois. Et après, j'attaque. Je laisse un point de vie pendant 10 secondes et après, je l'achève. Une fois, j'avais top deck. J'ai lâché mon PC, je suis à la toilette. Et je revenais après. Oula. Ouais, ça va, il a eu la merde. Là j'ai châté. Est-ce qu'il a éteint? Question assez fréquente dans ma vie. Il manquait combien de points de dégâts t'as dit? 3, non il a pas l'éteint. Quoique attends, il a eu un point de dégâts de plus, non c'est bon, il manque un point. c'est un peu chaud. Ah la Dark Bomb, ouais c'est un peu chaud. Ah putain.
Il a chaté parce que s'il avait pas eu le... Non, mais ça il avait. Parce qu'il avait le kobold et ça faisait plus un point de dégâts au sort, il manquait 4 points. Donc ça faisait 4 points. Ah ouais. Donc on a mis aussi mon mec. Je trouve quand même ça joue bien, même dans les warrants quand même. Oh oui, mais attends, attends, annule, annule. C'est le deck est fort. Vas-y, tu veux le faire. Oh putain, tu dois le changer aussi, mais c'est pas ça. Ouais. Ah ouais, là il y a les boules que je savais pas. À la base j'avais fait la combo avec les boules quand il manquait la combo. Et c'est quoi qui change par rapport à l'ancien deck? Ben t'as l'armure déjà, la maîtrise de blocage, t'as plus de pioche, t'as pas de pioche. Ah ouais, les maîtrises de blocage, j'avais pensé en plus à changer le deck. Mais là t'es carrément fixé sur la pioche que tu fais ton combo. Il t'a amélioré le deck? Ouais, il a changé un peu. Au début j'avais maîtrise du blocage, patron et je sais plus ce que c'était. Maîtrise du blocage, ça va me permettre de taper dedans. Ouais, j'avoue que quand même c'est abusé. En tout, les deux cartes, avaient 10 armoires, deux cartes. Putain, puis j'ai les deux maintenant. Mais... En plus, tu veux ce deck, il est carrément plus utilisé pour piocher la combo que dans l'autre où t'as plus de portes de sortie, genre Docteur Moon, comme ça, t'as moins de pioche. Là, c'est. Tu règles moins la fatigue avec celui-là. Tu chopes la combo. Après, moi j'avoue quand même, dueliste carte est vraiment forte quand même. 5 points dans le jeu, c'est plus une carte, c'est abusé. Trop de malin. Bah, contre les agros, ça décourage un agro assez vite. Alors là, tu prends ton arme et tu traînes. C'est là. Et ça, c'est. Oh, j'ai déjà essayé. Là, c'est un paladin, donc tu vas pouvoir poser le patron direct. Le patron, je le pose. Ah, j'avoue, déjà, ouais, j'ai pas fait ça. Je pose toujours comme ça le patron, si tu veux. Ouais, moi aussi, en fait, à partir du moment où j'ai mis un coup avec l'arme, je passe toujours le patron de suite pour le porter. Le combo qu'on a reçu, c'est le premier, c'est le cas. C'est le plus intéressant de tes combos. Bah, c'est plus safe en fait. C'est quand t'as beaucoup de patrons, tu sais pas trop combien t'as de dégâts.
T'étais pas sûr de pouvoir. Le truc, c'est surtout que les patrons, ça peut s'étonner. Ça peut retourner loin. Il y a un peu une certaine limite. Alors que les berserkers, tu peux vraiment cumuler un peu. Alors, le but, c'est d'avoir. Le bandrin de l'eau, il y a plus de. Ah, putain, là, tu passes ton patron. Le patron, tu fais le buff. Ça, il y en a deux. Ouais, il y en a deux. Ouais, ça va faire ça. Et puis, je peux clean. Et tu clean le patron. Ben, tu dors ? Bon, là, t'as les 5 points, t'as les 5 points, t'as bon, de toute façon, le bruit va s'arrêter. C'est sûr, parce que dès que je marche, j'arrive à mieux. Ça dépend des patrons. Là, j'ai beaucoup plus facilement des patrons grâce à la pioche. Parce que même après la même chose, je n'aurais pas touché, j'aurais pas eu de patron. Ouais, c'est beaucoup pour éviter plein de choses. Là il va trade. Tu me trades pas quand il met ça. Il va le faire. Il va prendre. Bon. Là, il faudrait que je top deck. Là, là ça va passer un peu. Ça va prendre beaucoup de bien, ça va lui. Déjà, utilise le artois. Tu vas faire un patron de bus, tu vas plus vite. Ça, c'est pas ouf. Alors maintenant, utilise la flèche du combat. Il va dire comment il doit avoir le sub, ce mec. Portail instable. Ah là. Donc là, tu m'as dit quoi ? Utilise la rage du combat. Ouais. Utilise ton arme. Mais alors tu tapes avec le 3. C'est pareil, il y a l'autre. C'est bon, pas trop. Le patron, en fait, ouais, tu tapes. Le but, c'est avec un seul, tu prends le board. Avec ce build. Avec ce deck, tu ne jamais perdre le board. Si tu perds le board, tu as perdu. Alors, avec mon druide de contrôle, mon druide de combo, où tu as perdu, c'est quand j'ai chopé le board de game. En fait, de game, quand j'avais chopé le board, tu as pas réussi. Ouais. Quand j'ai chopé super tôt, tu ne peux pas perdre. Buff ton armure, j'ai fait une carte au passage. Non, je voulais dire buff truc de 3 de mana, c'est pas grave. Je le fais maintenant ou pas quand même. Tourbillon, je sens ton deck. Là, tu fais tourbillon, et tu fais exécute. J'ai un bon dégueulasse. Il que j'ai écrit. Là, tu fais ça avec tout en même temps. T'as des armes là. J'avoue que je m'attendais quand même sacrément à une La vérité est mon bonheur. Mais si on commence à tout faire. Matrix au minimum. Je suis une carte aussi. Ah, c'est parti. Là, tu utilises ton arme. Mettez le bouclier. Tu veux pas 33-2, il est 17 dans les cas. Non, non. Ah merde. Bah trade vas-y avec l'autre 33. Au prêt, voilà, on attaque. Voilà.
Ouais, il est mal. T'as juste au café ici, là, c'est mon nom. C'est le mec qui a quoi. Bah là, j'ai 9 points de dégâts. Non, même pas. Je vais le laisser. En fait, j'ai déjà le létal. Ça dépend s'il peut trade encore avec le 3-3. Il a pas de condition. Ah, j'ai pas vu. Ouais, ça. Et après, il peut. Espérons qu'il ait pas Tyrion. Parce que Tyrion, c'est très mal fait. Généralement, je l'échappe le top deck. Mais voilà. Je pense que la commit. Même sur la tête. Je fais ce module, je mets de là. On va pas tenir dans tous les cas, ils sont pas là. Tiens, là, j'aurais encore posé au moins un berserker, tu vois. Oula. 6 de mana. Avec ça. Ouais, non. Allô ? Prends ton arme, il peut ton armure. Et tu fais ça là. J'ai déjà face. Ah bah prends ton arme, il va faire. Parce qu'il a une mort, mais on s'en va. Dans ce pied, dans tous les cas. Bah oui, je peux pas changer. Même qu'avec un seul patron, t'as vu, t'as vu la gagne. Ouais. T'as même pas besoin de mettre en combo tout. Enfin, le patron, c'est plus pour l'impôt comme combo, c'est pas un combo finish. Dans une commission de deck, Comment, comme ça? Tu gardes que l'armure. On va partir sur le fait que c'est un jeu sur face. Non, non, Blur, non, jamais de la vie. Non, ah, c'est un jeu. Ça se met tout ce que tu veux. Jamais. Ah, je m'en souviendrai si je n'ai pas Blur. C'est bizarre, les rues. Voilà. Fabricant d'armure en direct. Une pièce fabricante. Ça permet de faire une pièce de l'armure. Au milieu, si c'est assez délicat, il joue. Il joue l'inter dégueulasse. Il même pas. Il a probablement un vrai deck en plus. Genre, le junior lock avec l'inter. Il a pas vraiment un deck. Je faisais deck il y a longtemps, au tout début, genre. Ah oui, on va prendre l'armure. Le mec, il s'est ramené carrément avec le carton et tout. Des fois, on peut mettre l'armure, ça suffit. Le mec, il s'est ramené avec le carton et tout.
Moi, une fois, j'ai capitulé contre un guerrier, parce qu'en fait, je faisais que flou de le board. J'ai vraiment été mis, j'ai essayé d'attaquer au maximum. Et à la fin, il avait 30 d'armure, je me suis dit, limite. Alors, je prends le rôle à gauche, je prends qu'il a un clavier gamer, c'est un peu comme dans un clavier, quoi. J'étais jamais passé là. Tu prends 10 cm à gauche de ton clavier et 10 cm à droite de ton clavier. En gardant l'espace entre les clavier. C'est à l'école, quoi, maintenant. Ouais, là, mon corps fait 7 comme ça. Tu prends une légère. Non, pour pas de défendre, il y a des trucs. Pire quand c'est des mauvaises cartes, genre des épiques dorées, mais genre pas. Ouais, des épiques dorées, c'est l'équivalent. Ouais, c'est l'équivalent des deux. J'essaie de monter en 5. Pourquoi t'as un micro de merde? Là, tu poses l'acolyte. Et tu fais ton mieux, ça va pas meilleur moment. Ah, j'avoue! C'est un peu avancé donc. Tiens, de toujours d'optimiser tes trucs pour choper ta carte. Non, en fait, je pense que c'est parce que j'ai un casque. Ce deck, chaque carte, c'est un peu plus sur la combo. Je suis même pas encore habitué à jouer avec la pioche. Putain, par contre, mon gars, le tournoi Hearthstone. Fais un maximum pour pocher. Le but du deck, en fait, c'est surtout. Putain, c'est sympa. Oula, bah là, de toute façon, il a pas mal de deck. Tu l'as mis KO dans tous les cas. Non, non, il a déjà perdu. Ça va, il a tu poses le pas trop bon. C'est un hunter, dans tous les cas. Le pièce explosif, c'est sa seule option de clear. Et à mon avis, il devrait pas. Ouais, c'est jamais d'un hunter, alors que c'est. Et après, il a le chien, ça, tu t'en. Peut-être qu'il joue avec le truc qui fait 3 points de dégâts. C'est possible, elle est en. Si vous voulez faire un petit world of war, j'ai quand même la charge. Ah bah là, c'est pas grave parce que tu perds la combo. Non, pas le perdre. Pose la lame à Tricycle Nomad. Je trade. De toute façon, il a plus rien de monde. Bon, il était même. En fait, le but quand tu peux avoir d'argent, quand t'es en contrôle, t'essayes de tempo et au bout d'un moment, ça va. Il a rien pour la récupérer. Mais en fait, il est très early, sauf que on a un meilleur early que nous. Ouais, le patron, c'est bon partout. Si il est un patron, il va pas très bien. Mes talents. Pioche avec le truc d'armure. Ouais, en plus, des fois, même quand je sais que je dois piocher dans un tour, je le fais après. Alors que si je le faisais au début, des fois, je peux changer tout le play. Mais pas l'armure. Hein. Pas l'arme. Avec le la 2-3 tu tapes la main, mais avec la 4-2 tu tapes la paix. Tu sais, parce que ça marche un peu sur le héros, donc ouais, c'est intéressant. C'est ça. Là, tu trades le 2-1 et tu passes ton armure. Au mieux, t'aurais ça des fois, par exemple. Tu peux faire l'utiliser. Tu pourrais utiliser genre toutes tes cartes de 1 au niveau. Ou tu préfères genre clean bien au board, le setup correctement, avoir le garde plusieurs trucs à tous les coups. Alors là, c'est ça que c'est chouette, mais plusieurs coups. Mais le mieux, c'est qu'il. Si t'as une option mid-vidanal, c'est ça. Ouais, c'est ton reset, tu joues le 2-1 et tu joues ton armure. Si l'autre a une option quasiment mid-vidanal, c'est le truc, t'es genre sur un board ou un truc comme ça. Mieux pour pas le payer direct parce que tu sais qu'il va trouver un nouveau. Le mieux c'est que tu vas avoir des buffs de bonne combo déjà. Et après, il va changer ses plans. Il est vraiment chou son bateau. Genre, il a que des morlocks et après, il a L2 mort. Fais un retour sur un mort, tu vas piocher. Alors, tu auras ta vie. Il a changé pas la combo. De toute façon, je peux l'exécute. Ouais, tu vois. La pioche, elle va être frappée du combat, toi. Mets la souris sur ton nombre de cartes. Je veux dire,
droite, tout à droite. Sur ton deck. Sur ton deck à droite. Attends, à droite. Ouais, ah oui, ah merci, Carter. 3x2, 6, ouais. Là, tu poses tes, tout ce que tu as de mana sauf les armes. Les, tous les membres. Non, là, tu fais. Là, il est un peu bloqué, celui-là. Parce que s'il si fout la boule, s'il mute la boule, il va buff. Et s'il mute pas la boule, ce serait limite intéressant qu'il le fasse juste pour voir ses enfants. Ouais, non. Il y avait un. Au début, je jouais pas trop, je faisais plus quoi, je jouais plus à LOL que à Hearthstone, mais maintenant c'est un match. Enfin, LOL, je joue quasiment plus. Ouais, Hearthstone, c'est intéressant. Et c'est intéressant quand t'as des cartes, parce qu'au début, quand t'as rien, ça ne va pas mis, c'est vraiment. Ouais. C'est pour ça que j'ai. En fait, j'avais. J'ai fait genre. En juin, si j'ai récupéré des paquets, quoi. Ouais. J'ai ouvert un bon nombre. Et je crois que j'ai eu une seule légendaire. J'ai eu. La carte, quand tu fais un sort, tu gagnes. On va pas te voir. Ouais. Garde les deux. C'est un chasseur encore. Non, chaman. Chaman. Garde les deux. Pas sur la politique. C'est sur la politique. Ouais, parce que les deux, tu vois. Non, non, non. J'ai une soirée. Oh, il y a bien. Chaman, moi j'irais pas jouer ça. Yeah. En fait, au début, j'ai joué beaucoup chaman parce que c'est intéressant le concept du chaman. Et genre, le fait que les totems soient aléatoires, en fait, à la prochaine mise à jour, il va y avoir une légendaire qui va mieux le pour écouter tout le monde. Oui, et tu pourras choisir le totem. Ça va s'incliner. Ouais, donc ça marche à la même règle. Ton arme, j'ai l'impression que ça va faire d'avoir. Ah, tu vois, chaman mais le fait de la surcharge, ça va jouer un truc. Avec BMR, tu peux l'enlever à la surcharge. Ça fait quoi ça fait 2 points de dégâts et ça enlève. Il y en a qui aiment manger. Mais pour un tour ou pour tout ça y est. Non, pour un tour. Si on veut péter toute la game. Ah, c'est bon, pour un tour. C'est encore moins l'autre. C'est même une autre. Alors. Ça, c'est pas. On prend un poste de la police. Ouais, j'ai que ça. Suce-moi tes mots à l'oreille. Bon, c'est bon, il est parti, tu viens, je reviens. Oh là, c'est bien ça, c'est bien ça. Là, je suis pas plus l'arme, non? Ouais. L'arme, mais tu trades. Ouais. Voilà. Ça frappe le patron. Ouais, c'est bon. Ça dépasse ce qu'il joue maintenant parce que le chaman, c'est la tempête de foutre. Après, moi, c'est souvent genre, j'imagine ce que je vais faire au prochain tour sans penser au fait que lui va mourir. Surtout que tu penses au pire scénario. Ouais. Alors là, la tempête de foudre pour le patron. Voilà, l'option elle m'a l'air pas mal. Ça change un peu de tout. Ah merde. Ben, l'accès de rage. Ben, il va buter un patron. Ouais, je sais pas. Ouais, non, il y a pire. J'aime deux double 1. Ouais, t'as des double 1 et tu tapes. Ah, puis c'est même si je. Ah, mais non, je suis pas. Des fois quand je commence à prendre le patron, je me dis ouais j'ai la charge, mais non, je l'ai pas. C'est juste pour débloquer la situation que je l'ai pas. Parce que là j'ai eu la charge, c'était fini. Je faisais recoup des patrons comme ça, et puis ça fait, il y a rien de venir encore. Je pense que j'aurai la chance de garder. C'est un peu ça, parce que...
Yanoi, il avait fait un Degmult aussi, ça me fait plucher, c'est ça? Et le mec, il s'est servi que le, son adversaire ait fait ça pour faire plucher comme un malade. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pioche avec le truc d'armure là? Ah, peut-être dans les voilà. Mais non. Alors, je tape dans le. C'est n'importe laquelle. Voilà. Et je remonte. Tu m'as appelé? Oui, tu m'as appelé. Là, il est pas bien. En plus, après, il me reste toute la combo avec les verres. Ouais. C'est que c'est un jeu. Voilà, déjà, il a... En fait, je compte toujours, là, il y a 5 cartes, j'en ai 5 aussi, sauf que moi j'ai Andorre, des millions. Et déjà, il y a des choses, c'est un bon truc, c'est l'avantage. Après, on peut pas dessus. Donc là déjà je peux jamais avec un truc qui a 2 d'attaque hein. Parce que les tourbillons c'est pas pratique. Ouais j'avoue ça les... Ah ouais là de toute façon je peux pas. Tu l'as pas si je tourbillon. Non d'abord attaque le 0M. Le 0-2. Le 0-2 avec le 1-4. Le 1-4 hein. Ouais, c'est le tourbillon. Ah ouais, je prends jamais ça. Bon là t'as pas le choix donc tu vas mettre, tu vas cleaver avec un patron. Ah oui, déjà que j'ai même pas vu comme il avait dit. Ah bah ouais, c'est abusé. Quand ton armure est à l'attaque, hein. Ah bah ouais. Bah, le chaman du coup, il va dire que c'est le bon. De toute façon, il y a rien qui va. Tu gagnes le drone board et tu le gardes. J'ai gagné. Après, à cause de mon génération, je vais te trouver le début. Moi, je l'ai pas. Je l'ai pas, t'as compris? J'ai toujours pas les deux. Voilà, 34 quand même. De toute façon, il n'y a pas grand chose qui peut TK à ce point. Il y a encore un chasseur qui peut TK à ce point. Ouais, mais Gazoya, tu vas pas venir. Gazoya, ça a jamais changé. Ah, ouais. Tu peux faire tes classes? Oui, c'est fort quand même, quand tu fais des ouais, tu prends les cool. Après, j'ai vu genre les mecs faire des défis. C'est Mamito. Oui, je connais, oui, il a fait le tour le plus long. Ouais, il en a fait plus. Attends, 5 et 3, 8 et 3, 11 et 2. Les mecs, ils créent des. Je peux pop ça. Ouais, tu poses ça, tu poses des. Sur un autre
Ah ouais, ce que je veux dire, c'est que Mamutin, quand il a fait le truc, genre Gad Zéverne, si elle a par exemple un point de vie, genre en fait, il a fait un truc qu'elle ne puisse pas mourir. Quand elle a un point de vie, si tu l'attends, ça fait plus pop les dégâts fois 2. Ce qui fait qu'elle a une limite. J'ai monté pas mal à fond comme ça. Je peux penser en priorité c'est la pioche. Après les crimes pas trop, garder le board, là les top 5 si c'est possible. L'armure contre un truc à gros. Là l'armure je vois il peut vraiment trop bien faire du choix de toi. À part si tu le laisses le board. Rien que là déjà. J'ai un train de stack de l'armure alors que. Putain, ça fait. Putain, c'est putain. C'est pour ça que des fois j'aime bien les gars. Ouais, c'est dégueulasse. C'est à part si tu lui laisses le board gratuit un peu avec les deux, ça va aller à la fatigue. Si lui, il arrive, il va gagner de l'armure. On va monter à 5 facile. Ce deck est mieux en fait, c'est intéressant à jouer tout le monde. C'est plus amusant en fait. Il y a beaucoup de compliqué ça. Pas beaucoup. De toute façon, quand un truc compliqué, ça reste intéressant à jouer. Ouais, ouais, je sais. Quoi que ce soit, plus c'est compliqué, plus c'est intéressant. C'est chaud, c'est ça. Bon, moi j'ai perdu que une game avec le endo. Les géants, ça peut être spécifique. En tout cas, pour avoir les 4 géants, ils sont essentiels. C'est bien, c'est ça. Donc, les Golden Air, Ragnaros, c'est essentiel, je pense aussi. Les Golden Air, Rastaman, Rastaman, Jaraxxus. Bon, il y en a qui ne jouent pas, mais je trouve que c'est essentiel aussi. En fait, la totalité du deck, ça fait genre dans les 9000 points. Donc là, je peux garder ça sur. Tu gardes juste la colite. Juste la colite. Il ne donne pas le conseil, après il va te battre la prochaine fois. Ah, ouais, d'accord. Oh, le chien. Moi, je peux tailler deux acolytes à ce soir. Ah, bah, tiens, je vais chercher la carte. Alors, là, il me faudrait une arme. Donc, ben là, armoire. Là, mais si mon perso n'a pas perdu de point de vie, je peux pas utiliser ça. Non. Enfin, si tu peux, mais si tu vas le mettre dans la vie. Tu peux quand même l'utiliser. Ah, tu peux quand même l'utiliser. Ouais. Ça, c'est con que tu puisses utiliser un truc et ça passe un coup. Pour les mecs comme toi, c'est marrant. Pour ceux qui utilisent un feed. Même qu'il a un bon. Il a 3 ou rien. C'est pas mieux. Alors. C'est quoi le logo? Colite. Hein. Sauf si le clean pas d'un coup, il est vachement en retard. S'il meurt. Clean d'un coup, ça fait toujours une carte. Pas de mana, ça fait cher la carte. Ouais. Là, il va le clean d'un coup. Après, il prend des dégâts en même temps. Ça, un point de base, c'est ça. Il y a mieux, mais bon. Après, j'ai toujours mon exit. Bon, mais utilise pas l'exit pour ça parce qu'il est beaucoup bien. Là. Là, non. Là, tu fous un acolyte et un tourbillon. Il a beaucoup moins que ça, quelque chose. Hein. T'as les tourbillons, faut pas avoir peur de les garder pour les combos. T'auras toujours un mauvais surtout avec les goûts et tout, t'as toujours un moyen de combo. Ouais. Surtout que là, il est plus important le moyen de combo avec les goûts. Là, il va te servir à piocher. Et... Voilà, je passe. Souvent, j'arrive à la fatigue avec ce deck, mais bon. À la fin, t'as ta combo tellement vite. Là, le mec, il peut rien faire, même si t'as la fatigue, tu veux TK. Ce deck il est super fort, donc quand t'as que ça, tu joues. Une fois j'avais allé finir, mais c'était pas, il y a pas longtemps, j'avais joué et j'ai pas fait gaffe à quel point mon adversaire avait énormément de chien. Genre il avait 5 cartes, j'en avais 15, sauf qu'il avait plus de board et il avait plus rien dans sa main. Et je l'ai poutré. Il avait plus de cartes et moi j'étais rempli de cartes. Notre armure. Ah ouais, mais quand tu me dis pas pour armure, c'est pour ça. C'est le pouvoir héroïque, c'est pas le même temps. Ça. Bon, mets-le.
mal. Alors utilise le truc à 0 sur le 4 à 8. Toujours pour ta connaissance, donc je te mets aussi mal que t'attrapes. Jamais, je regarde tellement pas ma main du côté gauche, j'aurai toujours ce que je pioche en fait. Oui, ouais. Ce qui fait qu'après je suis là en mode mais. Ah oui, j'ai ça. Il a poil, j'ai mis le ping en premier, c'est pas un général, ça veut dire qu'il a poil. Toi, j'ai mis l'étal et il est parti comme ça. Mais après, je l'avais mis contre toi avec le NR. Mais en fait, quand tu m'as dit Miss Lethal, j'ai pas compris ce que t'avais fait en fait. Bah, t'avais pas vu la carte avant, mais en fait, si tu veux, j'avais une bombe de matière noire. J'avais le truc à 3 points de dégâts de Jaraxxus et j'avais une flamme infernale à 3 points de dégâts aussi. En faisant 9 points de dégâts, il y avait 29 PV sur le point de poil, j'ai foutu la bombe sur le trade en fait. Parce que j'avais pas vu que j'avais l'étal. Mais voilà, faut que j'ai compté comme un con. Surtout, c'est souvent dans le moment où je trouve ça. Des fois, il y a des trucs impossibles à voir sur les trucs. Pas de zone, t'avais gagné quoi qu'il arrive. Bon là il peut pas me le dire normalement. Il a juste un silence. Putain, c'est tout le monde sur. Putain. On va tuer au ping-pong, ça y est. Deux fois, il est pas sur ta tête. On va voir comme ça dans les super decks, c'est la route de fond où elle est pas sur toi. Ouais, c'est ça. Le moment, quand tu jouais marche contre toi, il a utilisé. J'ai utilisé contre toi, il était là. À ta gauche, quand même. J'étais obligé de le faire parce que ça me gênait vraiment. Je voulais tellement te la mettre dans la tête, je me suis dit si je l'avais gardé, je pense que tu aurais gagné avec. Puis tu prends l'arme, tu trades 0-2. Si je le voyais même pas. Tu trades 0-2. Alors. Du coup, je pense que tu mets le truc tout à gauche, le battle raid. Celui-là, il est mort. Je le garde, ça suffira pour une mana. Oula. Garde-le. Rect. Ah, tu fais juste ça, t'as un damité. Tu mets deux. Et il m'a fait du marre. Deux et trois. Ouais, ton 8, ça. Attends, 2 et 3, ça, il y a 17. Moi, tu vas pas utiliser le tourbillon. Ouais, bah, je vois. Ah, mais non, merde, t'as que berserker. J'avais vu que je croyais que t'en avais deux. J'ai deux. Ah, mais merde, j'en ai bien deux. Mec, voilà, je peux exécuter ça. Attends, on va monter d'abord. Alors, 2 et 3, 5 et 2, 7 et 8. Alors, si vous voulez, non. Ah ouais, c'est chiant. Tu poses. Franchement, ça devait commencer à 22. La boule en premier. La boule en premier. Derrière, tu poses 2 fabricants d'armure. Oui, ils vont le faire. T'exécute. Ah, non. Ouais, tu restes ton armure et tu mets pas de tourbillon. Là, il va vouloir recruter la boule et ça va te filer au taquet d'armure. Si t'armes. Et si et le berserker là? Non, on le met pas parce que si tu le butes après. N'oublie pas si t'as moins de munitions. Là, le seul truc qui nous aura les trappes de finir, c'est la tente. D'accord. Mais là, c'est positif aussi qu'il ait mis une tente parce que tu vas pouvoir. Il va sûrement un foot de bord. Ok, il a pas foutu de bord, mais tu vas gagner ça. De l'armure. Tu vas gagner un truc dégueu d'armure. C'est bien ça. T'as pas fait de dégâts au final. Alors, les mêmes tristes. Non, t'as pas l'état, tu pioches. Ouais, les mêmes tristes. Je trade pas. Oui. Non, mais c'est normal. Garde le trade le 4-3 au pire. Utiliser une armature 1-0-1. Surtout que t'as un troubillon en main, mais on veut vraiment vous le trade. Ouais. Voilà, je pense que le troubillon, là, faut juste. Voilà. T'as pas un petit poste du bleu, du board. Au final, il va se faire des là, il fait 6 points de dégâts. Ouais, bon, là, il est en choix. Le truc là, il est en choix. Oh putain, même la pièce explose aussi. Ouais, putain, il y a une arme. Ça fait 16 de dégâts. 16. Évidemment,
Sur le 4, celui-là. Ouais. Lui, il utilise un 8-3 pour lui gagner. C'est bien quoi. Et là, c'est pris qu'il n'ait pas une boule de feu, mais on n'a pas la bonne. Ouais. Ça vient d'avoir son bac. Ouais, ouais. Une mention, en fait, la rançon, je l'ai raté de peu et à cause de lui. Est-ce que toi aussi tu te souviens de ce que disaient les profs sur quoi on l'aurait jamais eu? C'est trop dur et tout. Oh, par contre, on l'aurait pas, mais j'aurais dormi, j'aurais tout. Parce que le t'as toujours Docteur Who, t'as toujours des trucs, t'en as ta mère, t'as de mes fêtes, mais là, c'est pas la merde. On n'est pas allé en stressant pour autant. Rien pour l'instant, ça part bien. Là. Deux points d'égout, là c'est deux points d'égout. Ah, il ping. Ah, putain. Attends, il a vu le ping. Ouais, justement. Ouais, ça le fait pour lui, il a pas trop. Ah, oh là là. Ah, mais t'es foutu en fait. Voilà, je peux rien faire. Non, il y a moyen de gagner. J'ai l'habitude de couper mon gars de sauter avec la monnaie. C'est voilà, c'est un match. Eric, j'allais dire la même. Non, mais quoi, il y a des le mec. Je suis pas avec. Ouais. Ah t'es pas inscrit? Je remplacerai Michel au pire. Peut-être pas une équipe de fou, mais je suis nul. Donc Hearthstone, j'avais parti sur Anil. Ouais, mais moi aussi. J'avais jamais joué contre Charlie. Je pensais vraiment pas arrivé jusque-là, moi. J'avais lancé, je me suis lancé. Non, ça m'a vraiment surpris. Putain, t'es sérieux? Je t'avais mis une grosse mine à 2-0 et après, peut-être, t'avais tout le monde. Je croyais vraiment que j'allais perdre, je te voyais au final. Tu joues au repas ça? Non, c'est à toi de voir quand t'es fait de la liste. Il est où?